Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de l'acte 2 de mon let's play sur le jeu Age of Empire 3, complète collection. Eh ben, la dernière fois on avait fini la première partie, on venait de gagner une bataille contre les Cherokees, et là on continue. Bon, alors après avoir chassé les Cherokees, John et Kanyin qui rassemblent leurs troupes dans la colonie pour préparer leur contre-attaque. La poursuite. Bordel. Rassemblez les hommes. On va poursuivre les Cherokees. Vous êtes payés pour protéger la colonie. Si les Cherokees regagnent leur village, ils reviendront en force. Nous devons les devancer. Six restent là avec les blessés. Les autres, avec nous. Ok. Eh ben, allons-y. Allons-y. Des alliances inattendues. D'autres guerriers doivent être rassemblés sur les campements. Il est peut-être temps de combattre. Stuart, restez ici avec les autres femmes. Oui, je pense être plus utile ici. Ok, d'accord, bon bah tu restes avec les autres femmes, toi. Bon bah allons-y. Bon, c'est pas bien compliqué, il faut aller détruire ces bâtiments. C'est ça. Et bah allons-y joyeusement. On devrait pas tomber sur beaucoup de résistance. Parce que vu qu'on a rien... Ouais non, on a rien, aucune unité, pas de bouffe, rien du tout. Faut se servir de ça, je pense. On va en garder un au cas où, voilà. Donc on garde la capacité de Canyon qui est au cas où il y a des unités qui reviennent. D'accord, vous me voyez pas. Ah si. Voilà, c'est dans le genre de cas que ça sert. Voilà. Il faut se méfier. Ouais, non, ça va. On devrait rapidement s'occuper du bâtiment. Voilà. Direction le second. Allons-y. Normalement, il ne devrait pas y avoir plus de résistance. Ah, des cavaliers quand même. Boum, le snipe. Ouh, c'est violent. Ça a été violent. Et là, on va péter ce bâtiment. Voilà. Oh oh. Bon bah ça y est, ça a été vite fait. Ah d'accord. Voilà. Hop. Et on devrait finir le baraquement. Et voilà. Ça y est. Baraquement. Voyons s'ils sont prêts à annuler ces attaques. Conduisez John et Kaneki au principal village Cherokee pour y négocier la paix. Bon bah allons-y alors. Je crois qu'on a perdu personne. Ouais ouais. C'est bien débrouillé. Allons-y. C'est bizarre, John. Une embuscade. Ouais, non. Oula. Pourquoi attaquent-ils leur propre colonie? D'où la présence des canons Cherokee. Ils se sont alliés aux Britanniques. D'accord, bon bah des Britanniques. Ah bah oui. Un membre de la famille Black et tuer les autres. Ok, bon bah ça va être la galère. Je peux pas rentrer et sauver tout le monde. Les frégates britanniques bombardent la colonie. Stuart a besoin de vous. Dites à Stuart que nous faisons notre possible.
Nous avons déjà assez de problèmes ici. Oui. Oh là là, des Britanniques, ici. Parlons un peu de l'emplacement de la fontaine. Oh là là. Évidemment, ils cherchent l'emplacement de la fontaine. Ok, d'accord. Mettez ce chariot bâché à l'abri. Il servira à construire un nouveau centre-ville. Bon bah c'est pas compliqué, hein. Il va falloir que je refasse une colonie et que je m'occupe de ces Britanniques. Avec juste ça, ça va pas être drôle. Alors, vite, ça y est. Ok, j'ai pas grand chose. Ok, on va récupérer ce qu'elle a. Donc, nourriture, nourriture, bois, bois, et les deux. Alors, pour bah allons-y. On va demander, hop, coupe le bois plus vite, et des unités militaires. Hein. Faut commencer par les utilités. 1, 2, 1, 2, unités militaires. Je vais y arriver. Je vais demander quelques colons pour lancer les productions. Donc on a un marché. Je vais avoir de problème avec les bois. Le bois et les pièces, hop, on va s'en occuper. Bah voilà. Donc ça c'est bien. Ah bah voilà, des colons. On va faire des bâtiments. Hop. Voilà, avec ça on devrait avoir suffisamment. Il va falloir que je reprenne la colonie. Bon. Ça va pas être facile. Voilà, je vais m'occuper encore un peu de faire des maisons, histoire que la limite de population augmente un peu. H3, c'est 1200 et 1000. Ok. Hop. On va faire une caserne. Combien là, ils sont 4, ok, 4 à la mine, 4 au bois, il faudra que j'en mette plus au bois quand même. Ok, les mousquetaires arrivent, il faudra que j'augmente le niveau pour atteindre les Focono, parce qu'il va falloir des engins de siège, ça c'est sûr. Ok. Toc, on va y mettre là. Non, toi tu continues de construire. Hop, alors toi, nourriture, on a combien? 6 sur 10. Ça va. Tu vas me faire... Voilà, une écurie. Moi je vais attendre un peu avant de faire des unités militaire en plus. Qu'on a déjà ça. Ok, 6 au bois. Là, j'en ai combien? 6. Et là, 4. Bon, il en faudrait plus. On a déjà pas mal. Faut 1200 et 1000. Bon. Bon, ok, d'accord, ça a été vite fait. Une mini attaque d'une seule personne, je pense que c'était juste un éclaireur. On va mettre la fonderie d'artillerie ici. Ok. 3 mantelets iroquois et 2 éclaireurs indigènes ou 2 fibustés et un corsaire. Le truc c'est que le corsaire c'est de la flotte, j'aurais pas besoin. On prendra l'homme des Tamouk. 1200 et 1000. Oh, on y est presque encore. On n'y est pas loin. Voilà. Donc là, il y a des grenadiers.
bon. On peut faire une église. Ça coûte rien. Par du bois, sauf que le bois, pour l'instant, ça va. Ok, 1200, on y est presque. Ça y est. Hop. Passage à l'âge des forteresses. Non, est-ce qu'on peut faire un mur vraiment? Ça servirait pas à grand chose. Ça servirait pas à grand chose. Bon, tu vas me faire une maison de plus. Et nous, on va améliorer tout ça. Ouais. Ça va être ici. Bon, bah allons-y alors. Hein. Ça coûte de la bouffe. On va attendre le chargement une fois qu'on aura l'âge supérieur. Toc. Maison supplémentaire. 90, ça sera plutôt pas mal. Alors je sens bien l'attaque. L'attaque de fou dans pas longtemps là. Je sens bien une énorme attaque. Du coup, je suis pas très confiant. Voire même pas confiant du tout. On va faire des piquets. Donc pas grand chose, voilà. Ok. En plus, on a un âge supérieur. On va aller voir ce qui se passe avec les écureuils indigènes. Normalement, ils sont furtifs. Ils se font pas repérer. J'ai pas assez de bois. Ok, bon bah là ça avance. Bah tiens, on va pouvoir demander les deux Fokodos. On va demander un troisième. Allez, soyons fous. On va demander des colons en plus pour récolter du bois. Et de l'or. Ok, ils ont atteint l'âge des forteresses aussi. Alors, ça donne quoi de leur côté? Ok. Ils ont pour l'instant pas grand chose, mais ça peut changer. Ok, ils ont été défurtivisés là. Ok, ils sont fait bien niquer et ils sont beaucoup. C'est quand même beaucoup beaucoup. On va prendre cette belliciste. Ah, ils sont quand même pas mal hein. Qu'est-ce que tu fous là toi? Hop. Donc 200 bois, 200 or. Est-ce que vous croyez qu'avec ça on peut attaquer? Ah, c'est pas sûr hein. Qu'est-ce que tu fous là toi? Voilà. Ça n'a pas été très compliqué. Des BI6 vétérans. Tac, on va augmenter ça. Non, par contre, on va garder le colon avec nous. J'en avoir besoin. Ok, bon, bah, je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Il y a moyen. On va peut-être mettre alors. Alors, j'ai 11 BI6 vétérans, 6 mousquetaires, 5 piquets, 5 culanes, 3 mantes l'Iroquois, 4 jaegers,
Candian Kay, John Black. Et les trois Focono. Allons-y. Voilà. Alors là, faut péter ça. Voilà. S'ils peuvent taper dans le tas, ça serait cool. Voilà. Boum. Voilà, nickel. Ça sert d'avoir des Focono. Voilà. Bon ben go. Destruction de bâtiment. Sinon on n'aura jamais assez. Enfin il y aura toujours des unités qui reviendront. Allez hop, la caserne c'est fait. On va s'occuper de ce bâtiment là. Alors toi. Va ici. Donc on va remonter des trucs rapidement. Alors j'ai atteint une métropole de niveau 8, c'est pas mal, donc là ça avance. Occupez-vous de ce colon. Voilà. L'avant-poste, il prend du cher. Voilà. Nickel. Le centre-ville, il prend. C'est qui tire? Les écuries qui tirent. C'est possible. On va virer les écuries. Voilà. Virer ça, hop. Voilà. Normalement c'est bon. Faut tout virer. Bon, on va tout virer s'il faut tout virer. Voilà. Ok. Alors toi tu vas pas faire dans le feu. Je m'occupe des colons hein. Ça n'a plus que ça à faire. Je vois pas trop ce que je peux détruire de plus. Tiens, vous récoltez plus de bois vous? J'aurai des problèmes. Je vais faire des ulanes hein. ça va très bien. Mais merde, vous avez attaqué ici. Les mousquetaires hors la loi. Voilà.
Ok. Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Il y a surtout un saloon qui a été reconstruit sans. Vu qu'il y a eu un renégado là. Ça fait 20 minutes. Je vais peut-être pas vous laisser là maintenant. Je vais finir ce boulot. Par contre, ça m'embête. Il faut que je vire tout là. C'est plutôt casse-pied. Voilà. Voilà, c'est fini. Ça m'a l'air d'être bon. Les Britanniques sont vaincus. Bah voilà. La base est à nous. J'ai gagné. Bon. Colonie en ruine. Ça va faire un épisode un petit peu plus long, j'en suis désolé. Mais c'est pas grave. Du coup, ça me permet de faire la fin au bon moment. Pourquoi les Anglais attaqueraient-ils leur colonie? Où est mon oncle? Emmené vers le nord. Les raids étaient une diversion. Les soldats voulaient éloigner la garnison de la colonie pour l'attaquer. Pourquoi, Stuart? Je sais pourquoi. C'est à cause du cercle. Ma famille a de puissants ennemis. Alors ma tribu et ma sœur sont peut-être en danger. Rentrons en Nouvelle-Angleterre. Ok. Bon, bah, sacré baston quand même. Voilà, voilà. Bon, bah, on arrive au bout de la mission. Bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !